QCM sur les sommes et produits. Question numéro 1. Dans la somme de I pour I variant de 6 à 36, il y a combien de termes et 3 réponses possibles pour cette question? 20 secondes. Question numéro 2, somme de uk plus 2 pour k variant de 3 à n, donc 3 réponses possibles et 40 secondes pour y répondre. Question numéro 3. La somme de exponentielle k plus 2 moins exponentielle k plus 3, k variant de 2 à n, est égale 3 possibilités et 30 secondes. Question numéro 4. La somme de k-5 sur 6 pour k variant de 8 à 31 est égale à 64, 29 sixièmes ou 58. 60 secondes pour y répondre. Question numéro 5. Le coefficient binomial 7 parmi 10 est égal à 96, 114 ou 120, 90 secondes pour y répondre.
Question numéro 6. Le produit de log de k sur log de k moins 1, k variant de 6 à 16 est égal. 3 réponses possibles et 30 secondes pour y répondre. Question numéro 7. Donnez la formule du binôme de Newton, 3 possibilités et 30 secondes. Question numéro 8. La somme de k parmi 2n fois moins 1 puissance k, 2 puissance k moins 1, de k variant de 0 à 2n est égale à 3 réponses possibles et 120 secondes. Question numéro 9. La somme de 1 sur k facteur de k plus 1 pour k variant de 2 à n plus 1 est égale 3 possibilités, 90 secondes.
Et enfin, question numéro 10, la somme de k multipliée par le coefficient binomial k parmi n pour k variant de 0 à n, 3 possibilités et 120 secondes. C'est la fin de ce test.